Salut, vous êtes la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire trois choses. Nous allons poursuivre sur les lettres du clavier, parce que la dernière fois, nous avions vu comment obtenir certains caractères en majuscule, notamment les bases, hein, E, accent aigu, et accent grave, ceci dit, A avec le tilde, et puis tous ces caractères-là. Nous avons vu comment les obtenir en passant via des codes, avec la touche ALT, puis le numéro. Donc nous allons poursuivre sur les claviers, sauf que nous allons voir comment obtenir les caractères qui sont là. Ok? En minuscule ou autre, on va voir d'autres caractères aussi. On va voir en tapant quel code, qu'est-ce qu'on obtient sur le clavier. Comme ça, si vous souhaitez vous organiser, vous allez voir que vous allez vous en sortir avec un clavier d'ordinateur. Ok, si vous souhaitez utiliser un ordinateur pour travailler, tout dépend. Ok, donc là, vous voyez, voilà, ok, j'ai déjà joue, juge, j'ai bon, ok, c'est ok. Là, c'est le clavier virtuel. On va passer au clavier physique tout à l'heure pour pouvoir avancer, parce que lui là il sait qu'on va déconner à chaque fois. Lorsqu'on va taper, ça va pas répondre exactement comme ceci. Vous voyez la preuve, il a rajouté du J alors que je lui ai pas demandé. C'est pas grave. Donc la deuxième chose que nous allons faire, nous allons voir comment télécharger l'image ISO de Windows 11. Là, concernant Windows 11 est sorti il y a pas longtemps, mais je vais juste télécharger l'ISO. Parce qu'il y a la possibilité de faire la migration, on va dire date, à partir de Windows 10. Vous pouvez télécharger Windows 11 tout en utilisant votre ordinateur, vous suivez la procédure, vous l'installez, machin. Il y a des outils pour ça. Mais moi, je ne veux pas le faire sur cet ordinateur. Donc, je vais juste l'installer sur un autre ordinateur pour l'expérimenter. Okay? Et de ce fait, j'aurai juste besoin de l'image ISO. Pas besoin d'outils tels que Media Creation Tool pour Windows 10. Ok, il existe pratiquement la même chose, mais c'est pour Windows 11. Donc j'aurais pu le télécharger, puis suivre des procédures, puis installer Windows 11 tranquillement. Je voulais juste le télécharger, l'image ISO. Ok, je vous ai dit qu'on allait faire trois choses. La troisième chose, ok, on a dit que c'est ça. Donc la troisième chose, avec vous, vous verrez comment mettre une vidéo sur YouTube. Hein. Ça, il n'y a rien de technique. Et voilà, tout comme ce qu'on aura à faire aujourd'hui. J'estime que vous pouvez le faire. Je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Partager les vidéos. Liker. Faire les à vos proches si ça les intéresse. Par exemple, si vous êtes dans un cas où vous travaillez avec un ordinateur, des fois vous voulez obtenir des caractères, vous ne savez pas comment faire, ben, voici l'exemple. Hein. C'est parti. C'est parti. Donc, en même temps, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Ok. Please. Je vais lancer mon navigateur par défaut. Mon navigateur que j'utilise là. Donc, en principe, lorsque vous êtes ici, vous tapez ce que vous voulez. Dans votre barre de recherche, télécharger. ISO. Comme ceci. Entrer là, on fait la première chose, parce que pourquoi cette opération peut durer tout dépend de votre connexion. Ok, bon, moi je sais que sur la DSL ça va prendre du temps, c'est pour ça que je le lance, puis je vais le laisser de côté, puis après on verra. C'est vous allez voir au moins comment obtenir Windows 11 si vous le souhaitez, hein, si vous êtes voilà, c'est très simple. Il y a plusieurs façons. D'autres façons que je vous disais, il y a un petit outil à télécharger, hein, celle-là. Windows 11 installation assistance, okay, vous téléchargez, vous allez suivre des procédures. Mais moi, comme je dis que je ne veux pas tout cela, je vais juste descendre. Ok, je sélectionne Windows 11 multi-edition. Ok, boom.
Et si vous voulez, vous pouvez. Une fois que vous faites download, vous aurez ceci qui va apparaître. Hein. Vous allez devoir choisir la langue que vous souhaitez. Donc moi, c'est. Je vais le laisser en French, en français. Parce que bon, voilà. C'est comme ça. French. Ok, il y a le French canadien, French autre. Moi, je prends French tout simple. Et vous devez faire confirmer. De suite, vous descendez. Vous lisez un peu si vous souhaitez. Ok. Donc, aussitôt, vous avez Windows 11 French 64 bits à télécharger. Ok. Donc, en 32 bits, c'est pour ça que, bon, je ne sais pas s'ils vont le faire en 32 bits, ça reste à voir. Mais la majorité, tout le temps, c'est du 64 bits. Ok. Moi, j'ai juste téléchargé l'ISO. En fait, Windows 11. 64 bits, ça c'est l'architecture du système. Ok, donc l'architecture qui est récente là actuellement. Hein? Donc vous aurez du 32 bits, mais je sais pas si Windows 11 va faire du 32 bits. Donc je sais pas. Hein? Mais je sais que Windows 10 on peut l'avoir parce que bon, on a le choix. Mais là, peut-être en passant via l'outil qu'on va nous proposer, l'assistance d'installation, peut-être lui peut vous donner le choix de choisir 32 bits ou 64 bits. Donc de ce fait, moi je pense 64 bits. L'architecture de votre système, donc du coup, vous voyez que c'est une opération qui va prendre beaucoup de temps. Tout dépend de votre connexion Internet. Bon, vu que là, moi, je suis en ADSL, ça va prendre un peu de temps. Vous voyez que ça met 56 minutes. Je laisse ça. Ok, ça c'est bon. Pour obtenir l'image ISO de Windows 11, c'est comme ça. Donc, la dernière qui est sortie, vous savez qu'on était en avance sur pas mal de choses. Mais là, je ne l'avais pas encore testée. Donc, cette machine-là, où je fais le tutoriel, je vais le laisser sur Windows 10. Puis après, je vais au fur et à mesure du temps. Mais cette image ISO là, je vais le prendre, déposer sur ceci. Ça fait ça. Et Vintoy. Vintoy. Utilitaire, c'est une clé USB multi-boot que j'ai créée. Donc j'ai 4 Go libre. Donc il va falloir que je fasse de l'espace sur 14 Go. Ou sinon, je crée, vous verrez aussi. Donc, nous allons passer maintenant mise en ligne de la vidéo YouTube que je vous parlais. Donc, je dois me mettre sur YouTube déjà. D'accord. Faites pareil. Si vous avez votre compte YouTube, créez déjà, tant mieux. Vous allez voir la procédure pour mettre une vidéo en ligne. Tout dépend. Vu que moi, c'est de l'informatique, je vous montre comment faire. Donc, ça, c'est la chaîne. Okay. Cette vidéo que vous voyez là, donc ça c'est moi. Cette vidéo vous apprend comment utiliser le tableau de bord de YouTube Studio. Donc, je clique sur la chaîne que je vais uploader la vidéo, donc vous allez voir comment c'est. Donc s'il vous plaît, je vous prie de vous abonner. Je vais juste vous montrer comment mettre la vidéo en ligne, ensuite on va poursuivre sur les caractères. Ok. Et votre chaîne là comme ceci. Là, en principe, vous cliquez sur la plus là, avec référence aux caméras. Ok? Vous cliquez sur le logo caméra. Et vous faites mettre une vidéo en ligne. Si vous le passez en direct, c'est en dessous. C'est-à-dire que en direct, comment je dirais ça? Comme ceci là, vous voyez? Donc, je dois best of des 90 old school reggae music. Vous voyez le petit logo rouge là, lui il est en direct. Si vous voulez passer en direct comme ceci, c'est en dessous qu'il faut y aller. Donc ça, vous allez le diffuser en direct sur votre caméra ou sinon vous voulez faire un streamcast. Donc vous, moi comme je vous ai dit, c'était une vidéo que je vais vous montrer comment mettre en ligne si vous ne le saviez pas déjà, mais je pense que la plupart des gens le savent. Donc je clique sur la caméra, je prends la première chose, j'ai mon ISO qui se télécharge. Ok, maintenant arrivé ici, vous avez la possibilité d'aller chercher le fichier, c'est-à-dire que la vidéo, si vous connaissez où il se trouve le fichier, vous faites sélectionner des fichiers. Donc vous parcourez votre ordinateur. Ok? Donc moi, comme je ne sais pas où ça se trouve, qu'il y a tellement de fichiers là, monsieur, dame, je vous ai pu m'excuser. Je laisse ça comme ça. Je vais vous montrer comment drag and drop. Ok? Drag and drop, c'est glisser déposer si vous voulez en français.
Donc je vais taper le nom du fichier dans la barre de recherche. Donc je vais sauvegarder les lettres. Donc là, je sais que ça c'est le dossier qui contient le fichier que je vais mettre en ligne. OK? Ce fichier-là, moi je vais faire ouvrir l'emplacement du fichier. Normalement, qui va me déposer ici. OK? Ici. Ça, c'est le dossier. La rendue de ma vidéo a été comme ceci. Mais la façon le plus simple, hein, c'est, là, c'est le chemin du fichier. Donc, il est dans Camtasia. OK? Donc, ouais, Camtasia. Il n'a pas tout le chemin complet. Normalement, il doit donner le CD.try pour trouver le dossier Camtasia. Pour éviter de faire tout ceci, on va faire le parrain drag and drop. Hein. Là, vous faites sélectionner. Et là, vous avez vu le chemin. Donc, en principe, vous allez dans des documents. Vous cherchez Camtasia. Moi, c'est par ici. Donc, vous regardez, vous cherchez le nom du fichier. Donc, le voici le nom du dossier, en fait, qu'on était tout à l'heure. Vous avez le fichier en vidéo. OK? Donc, ça, c'est le PNG, effectivement. Et PNG, le fichier MP4 se trouve par là. Vous voyez là? MP4. Donc, vous cliquez dessus, il va s'uploader ici. Vous verrez les hauts pour dire pour mettre en ligne. Mais je vais vous montrer une façon d'aller plus vite. Hein. Donc, comme je l'ai dit, c'est le temps qu'on cherche à gagner dans tout. Ok. Donc, on va reprendre le drag and drop. En principe, vous allez dans mes documents, là où est votre dossier. Si je vous montre deux façons de faire, dès que vous prenez un drag and drop. Ok, soyez sûr. Vous voyez la petite flèche. Ok. Vous voyez la petite flèche. Elle est comment? Elle est bleue. Ok. Bleu, ça veut dire que vous pouvez le déposer là comme ça. Hop, vous voyez? La flèche, elle monte. La grise, elle monte. Ça veut dire que la vidéo se met en ligne sur YouTube. Donc maintenant, vous attendez. Vous arriverez ici. Donc le titre. Donc si vous souhaitez laisser le titre tel qu'il est là, ça c'est le nom du fichier en fait. Ça c'est le nom du fichier. Ça c'est le nom du fichier. Donc, je vous rappelle, c'est le fichier. Ouais, non, mais majuscule. Maintenant, c'est là qu'il faut donner un bon titre à cette vidéo-là. Ça, là, c'est ce que je vais faire. Hein. Ça, c'est le titre du fichier, je vais le laisser comme ça. Mais pour la vidéo, je vais le donner comme titre. Donc, vous avez 5 caractères pour donner un titre. Donc, l'apprentissage du clavier. Caractère majuscule sur le clavier. Caractère majuscule avec accent simplement ils sont sur ma connexion et je crois que je vais délibérer certaines choses aussi ma connexion wifi désolé je vais faire autre chose aussi là donc passons on est parti on fait de l'informatique si ça vous intéresse c'est rien de me dire que je dis ce que nous allons faire hein. Là on n'est pas encore passé au clavier on n'est pas encore passé au clavier s'il vous plaît donc moi je tape voilà. Ok, donc là je vais voir, je vais déconnecter ma connexion wifi. Ça se peut que j'ai quelques individus aussi sur ma connexion wifi. De ce fait, je dois vérifier certaines choses. Est-ce que j'aurai le temps de changer ce truc-là? Ah, punaise. Oui, j'avais le temps de changer ça. Comme ça, j'espère. Nickel. Je peux enregistrer quand même. Là, je me suis switché sur la box là pour aller désactiver ma Wi-Fi un court instant. C'est-à-dire que s'il y a des individus qui sont ma Wi-Fi, donc ils seront capuch. Donc la puissance de ma connexion va me revenir. Donc l'interface de la Freebox, c'est comme ceci. Ok, moi j'ai un paramètre que je veux d'habitude. C'est pas ailleurs. Hein.
Hein. Donc, moi, je vais dans ma connexion Wi-Fi là. Je vais le désactiver. Et ah ben, de toutes les façons, j'ai qu'un appareil connecté là-dessus. Je sais qui c'est comme appareil. Mais par contre, il faudrait que je vois ça. WPA2. Ça va. Mais je vais le désactiver quand même. Ok. Filtrage d'adresse MAC. Je vais le désactiver pendant un petit moment. Comme ceci, ça se fait sur. Comme ça. Ça va. C'est tout ce que je voulais faire sur l'interface de ma box. Ok. Donc je peux me déconnecter. Hein, donc c'est fini pour moi. Déconnexion ici. Ok. On revient. Maintenant. Voilà. Et on va mettre sur le clavier quand même parce que le clavier, c'est le clavier qui a l'honneur. Voilà, on est ça. Et je peux mettre voici comment obtenir. Obtenir des caractères. Des caractères majuscules avec accent sur le clavier. Voilà. Et le comment là, c'est bizarre, mais je crois que c'est des N. Moi, je me fais pas trop compliqué des fois. Là, le titre correct. OK. Donc, description. Là, vous voyez, dans la description, ça, dans la description, vous devez mettre quelque chose dans la sorte. Dans cette vidéo, vous allez voir comment obtenir les caractères. C'est très simple, hein? La description, il faut que ça soit compréhensible aussi. Caractère sur or. Ouais. On va dire les lettres cette fois-ci. Les compétitions des caractères. Mais je peux même mettre lettres en majuscule comme ceci. Et les restes en minuscules. Et il y a un T qui manque. Pourquoi je suis pour le temps là? Vous voyez, c'est pas encore fini. Puisque il y a la suite. La suite, c'est là où on va choisir par exemple la playlist. Donc ça, moi je vais le laisser. Je vais pas le mettre dans la playlist. Vous cliquez ici. Voilà, vous avez les playlists que vous aurez choisies sur votre chaîne, que j'aurai créé au préalable. Donc moi, vu que j'ai pas de playlist pour le clavier, de toute façon, je vais le laisser comme ça, je vais pas le mettre dans les playlists. Mais par contre, si c'était un tutoriel de réseau, j'aurais mis dans réseau. Software, j'aurais mis dans software. Windows 10, voilà. Cybersécurité, j'aurais pu mettre. On dirait que mobile ou autre chose, virtualisation, j'aurais pu sélectionner pop et ok. Mais comme je vais le laisser en dehors des playlists, parce que c'est un tutoriel clavier et j'ai pas envie de créer je pense bon je pense pas qu'on on verra. Il faut dire que je vais faire un playlist clavier puis voilà. Limite d'âge, vous pouvez limiter d'âge par exemple. Ça fait oui limiter ma vidéo au plus de 18 ans, mais si vous souhaitez que même les gens de 90 ans, 70 ans, 100 ans peuvent regardez cette vidéo, vous laissez cocher ceci. Ok. Et en même temps aussi, voilà, vous avez cette question-là pour les enfants en fait. Ok.
Je sais pas pourquoi je... Voilà. Oui, il est conçu pour les enfants. Ok, là, vous aurez qu'à cliquer là. Si vous savez que un enfant va regarder ce tutoriel, va le comprendre, va pouvoir l'exécuter facilement. Bon, moi, je dis non, parce qu'un enfant, déjà, la façon que je parle, il va pas comprendre. Donc là, j'ai dit non. Ça veut dire que cette vidéo ne sera pas visible par les enfants. Et ensuite, vous faites plus. Ok? Vous voyez, tout ça, on est à 42% d'importation. Vous faites plus, plus. Communication commerciale. Ma vidéo contient une communication commerciale telle que quelques placements de produits, parrainage ou un autre type de protection. En couchant ceci, c'est-à-dire que genre, si vous avez des produits, vous faites la pub sur un produit ou autre, ça c'est que hop, j'aurais dû le faire pour l'autre, mais c'est pas grave parce que j'ai. Voilà, donc je vois pour le modifier sur l'autre parce qu'il y a un autre que j'ai parlé, deux chaînes différentes, donc du coup c'est du parrainage. Bon, c'est pas du parrainage en fait, c'est du. Bon, là non, c'est bien. Le parrainage, c'est lorsque vous parrainez quelqu'un sur la plateforme où vous faites des produits, vous faites de la publicité sur, pour les produits, quoi. Acte commercial, donc si c'est le cas, vous cochez ici. Mais moi, c'est pas le cas, je laisse comme ceci. Chapitre automatique. Donc du coup, autoriser les chapitres automatiques sur avec réserve de disponibilité et éligibilité. Ça, je sais pas ce que c'est, je vais pas vous en parler, puisque moi, je sais pas. Donc ça sert à rien que je vous en parle, je vais voir. Les tags. D'accord, la vidéo parle de clavier, pas vrai? Ok, ça parle de clavier. Ça parle de pas mal de choses. Les mecs, ils m'ont, je sais pas, ils m'ont saccagé mon navigateur. En principe, j'ai une extension de type body qui me permet de faire des extensions. Des choses comme ça. Qui me propose des tags. Ok? Mais comme ils m'ont saccagé mon navigateur là. C'est pas terrible. Donc, fais voir. On va revenir au clavier tout à l'heure. Hein. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit. Il faut qu'on finisse ça. De toute façon, je mets une vidéo. Upload 47% et je télécharge. Ok, donc c'est là que j'ai. Et download. Et là, je suis à 47 minutes. 49 minutes. Voilà. Et le temps reste à terminer. 53 minutes, bon, ok. Lui, c'est compliqué, mais j'ai 21 minutes pour l'upload, c'est-à-dire pour la vidéo. Ok. Pendant ce temps, on en profite pour paramétrer les paramètres de la mise en ligne de la vidéo. Donc, on va parler de clavier déjà. Pour mettre des hashtags, des tags, pas hashtag, on peut mettre des hashtags aussi sur YouTube, mais je parle plutôt de. Du tag, ok. Par contre, clavier. Donc, vous mettez, par contre, pour les tags comme ça, si vous n'avez pas d'outils, il faut que vous mettez le virgule. Donc, ça vous le sépare comme ça. Ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs. Ok, plusieurs tags. On va dire lettres. Ma juste cul. Et hop. Ok, lettre. Bon, déjà, on va l'enlever. Pour l'enlever, il suffit de cliquer sur la croix. La petite croix qui est là. Vous le retapez parce qu'il manquait le E. Attention. Lettre. Je vais mettre en majuscule ce tag-là. Lettre. Ouais. Ma. Cul comme ceci. Bah ouais, il n'y a pas mieux que ça hein. Et vous mettez le virgule. Ok, vous le tenez en dessous du point d'interrogation. Mais pourquoi vous tenez le virgule, vous tenez le virgule, il faut que vous soyez en minuscule. Bon, de toute façon le clavier là on a pas mal. Ensuite caractère majuscule ou caractère hein.
Et c'est là qu'on va voir ce qu'on a appris la dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir. Bon, vous n'avez pas encore vu cette vidéo, mais c'est ce que je m'en vous allez voir. Pour obtenir le E majuscule avec accent grave, le code c'est ALT. Vous maintenez la touche ALT, de toute façon vous verrez dans le tutoriel à venir. Et normalement c'est 144. 144, non, c'est 212, désolé. 212. Ok. Caractère majuscule. Ça 44 c'est pour l'accent aigu. Ok. Qu'on soit. Car de toute façon vous verrez. Donc là je passe en majuscule pour avoir. Alors que ce sont des tags. Alors que les mecs ont tapé ça sur le la barre de recherche de YouTube. Vous avez fortement, vous avez beaucoup de chance que YouTube propose votre vidéo. Donc là, moi, c'est comme ça. Voilà, tout dépend de votre niche en fait. Pour moi, c'est l'informatique, donc clavier, tout ça là. Mais sauf que sur le clavier, faut connaître. Hein. Ensuite, accent. Par contre, je passe. Voilà, en minuscule, c'est pas grave. Avec ça. Tac. Boum. Voilà. Ça s'appelle ceci. Ensuite. Ouais, on aurait pu. En fait. Faites ce que vous faites dans la vidéo en fait. Là j'aurais pu mettre A majuscule, exemple, hein, ou par exemple I majuscule, ou plein de choses. Alors si je fais, hop, pour vous montrer l'histoire des tags. Hein. Voilà, il ne prend pas qu'un seul caractère. Donc, du coup, c'est comme ça pour mettre les tables. Donc, 60% et 40%. Maintenant, vous devez choisir la langue de la vidéo. Donc, en français, par défaut, c'est correct. Certificat sous-titrage. Donc, moi, je vais juste laisser ça comme ça. Je ne vais pas y toucher. Et puis, règlement, et tralali, tralala. Votre contenu, j'ai été diffusé aux États-Unis. Votre contenu a été diffusé en télévision. Là, si vous avez besoin d'une partie qui a été diffusée, je vous conseille de mentionner ceci. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas monétiser à un moment donné. Donc là, moi, je laisse ça comme ça par défaut. Ce contenu n'a jamais été diffusé, non forcément, aux États-Unis en programme. Hein. Donc ce contenu n'a jamais été diffusé à la télévision aux États-Unis. C'est très simple. Parce que, voilà. Le lieu, donc moi je sais que c'est en France, donc vous mettez France en principe en temps normal lorsque la connexion est bien et qu'il n'y a pas de choses que je télécharge, que j'upload, que je download et que j'upload, eh bien ça s'affiche assez vite. Donc moi je tape FR, donc il m'a proposé France. Maintenant vous pouvez mettre la ville aussi si vous voulez, ben moi c'est en France, donc la vidéo a été tournée en France. Donc là c'est le type de licence que vous pouvez utiliser. Avec moi, bon, avec YouTube, licence YouTube standard, donc vous avez les Creative Commons. Ça, si vous voulez faire un tour sur les Creative Commons, je vous encourage à le faire parce que cela dit que lorsque vous choisissez cette licence, donc des individus peuvent utiliser vos contenus. En mode tranquille, mais pas pour faire de l'argent. Voilà, il faut qu'ils utilisent dans le même, il faut qu'ils utilisent les mêmes licences. Ça, c'est une petite partie de cette licence. Et que je crois que c'est une affaire, dans la dernière info, c'est une affaire de 70 ans. Et je sais pas s'ils ont, il faudrait que j'aille faire un tour parce que j'utilise beaucoup cette licence. Donc, je vais pas vous, si vous voulez, vous tapez dans votre barre de recherche Creative Commons. Attribution. Vous allez voir tous les détails sur les licences que vous utilisez. YouTube standard, c'est autre chose.
Ok, mais j'utilise plutôt celle-là parce que celui-là, j'aime bien. Moi, j'aime bien utiliser un crayon de suite standard. Donc, c'est pour ça que je laisse sur Creative Common. Ok. Autoriser l'intégration, ça c'est si vous voulez. Publier dans le flux abonnement et informer les abonnés. Vous laissez ça comme ça. C'est-à-dire que les autres vont pouvoir voir ce contenu lorsque vous serez fini de le mettre en ligne. Ceux qui sont abonnés à vous, on a un tel a publié une vidéo. Et puis ils vont regarder le titre. Et c'est comme ça qu'ils vont venir voir ce que vous faites. Donc, de ce fait, autoriser les utilisateurs à utiliser ce contenu. Ouais, non, mais moi, par contre, je sais pas à quel but. Donc, je vais juste décocher ça. Ok. Là, c'est dans le secteur, en fait, éducation. Ou autre, donc qu'est-ce que vous... là par contre c'est un peu compliqué sur YouTube. Vous avez plusieurs secteurs, vous avez actualité politique, animaux, association et engagement auto moto. Les mecs qui m'ont cramé mon tutoriel, frère, avec l'eau, je sais pas ce qu'ils veulent faire là. Là, t'as vu, c'est tranquille, ça pouvait être comme ça. Ils entendent que je suis en train de parler. Enfin, c'est moi, je suis en train de travailler, mais non, ils montrent comme si. Et pour montrer qu'ils sont là aussi. Qu'est-ce que ça va servir? Rien du tout. Au lieu de dire, ah, le petit frère là, il travaille, laisse-le faire, qu'est-ce qu'il peut voir, laissons voir qu'est-ce qu'il peut faire, on va voir. Mais non, il roule, 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 au final, tu me donnes plus de boulot, il faudra que j'enlève la voix encore. Comme ça, on avance ensemble d'après eux. Et bon, maintenant, ça dit que film. Et animation, donc si vous choisissez ça, ça veut dire que votre vidéo c'est un film ou un film d'animation ou jeu vidéo ou autre chose. Mais après, si vous avez éducation, moi j'ai choisi celle-là rarement, donc ça c'est éducation. Hein. Cette vidéo-là c'est l'éducation parce que je vous montre comment faire sur le clavier, mais j'aurais pu mettre de sciences et technologies aussi. Ok, je laisse ça comme ceci, parce que c'est l'éducation. Comme ça, oui. Donc là, c'est les commentaires, community avisé. Donc là, on est à 75%, 73% de l'open. Donc en gros, il reste 12 minutes. Et puis, on va poursuivre. Hein, parce que là, nous sommes à l'étape détail. Hein. Il y a des éléments et machin. Je vais pas vous expliquer tout. Mais hein. Vous allez voir comment mettre. Parce qu'il faut qu'on passe au caractère, aux lettres en fait. Ok. Donc, s'il vous plaît, j'espère que vous êtes abonné et que vous avez au moins partagé en fait. Les mots-clés, si vous voulez que ça soit trié par mots-clés ou sinon par plus récent en fait, le plus récent. Bon, je dirais mots-clés parce que mots-clés, c'est clavier, lettres, majuscules ou autre, comme ça. Correct. Et afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo. Donc là, les gens vont, tu vois, les gens, si vous décochez ça, veut dire que si votre vidéo a fait 1 million de likes, 1 million de j'aime, les autres vont pas le voir, mais vous allez pouvoir le voir, mais les autres vont pas le voir parce que vous voyez like, dislike sur la vidéo des gens, c'est ça qui est touché. Par contre, je vous conseille fortement de laisser cette barre arriver à 100% avant de faire suivant. Là, je vais faire suivant. Je sais que ça va fonctionner aussi. Mais je vous conseille de laisser à 100% avant de faire suivant. Donc, je fais suivant. Ok. Et tac tac élément. Donc, si vous voulez ajouter des sous-titres, bon, ça c'est du travail en plus. C'est bien aussi. Alors, ça, avec tout ce que j'ai dit là, je vais devoir taper. Ou sinon, je laisse la machine taper à ma place. Mais sauf que moi, je sais que j'ai. De toute façon que je parle, vous avez des sous-titres. Boum. Mais c'est à cause de qui? C'est pas à cause de moi. Donc, vérification. Donc là, il reste 9 minutes. Ça, c'est l'étape de vérification. Et visibilité et hop. Bon, je laisse ceci. Puis après, c'est qu'il se fait souvent. Hein. Lorsque c'est à 100%, je peux revenir. 9 minutes. Donc vous patientez jusqu'à ce que ça arrive à 100% et vous faites suivant. Donc c'est bon, voilà pour la mise en ligne de la vidéo YouTube. Donc là,
C'est comme ça, en général, ça se fait, hein. Donc, doigt d'auteur, aucun doigt d'auteur détecté, ça veut dire que votre vidéo n'a pas. Il a détecté qu'il n'y a pas de contenu à une autre personne, en fait, qui est déclaré ou quoi que ce soit. Donc là, à part ça, vous pouvez faire suivant. En fait, lorsque c'est fini, tout est en bleu. Ok, SD, puis. Et voilà. Maintenant, le problème, je vais juste regarder quelque chose. C'est le format SD, là, que j'ai pas aimé. Donc voilà, ça, comme je vous ai dit. C'est exactement la miniature que je voulais avec le clavier, le titre qui va avec. Maintenant, ce n'est pas tout. Ok, il faut que vous soyez enregistré en public. Si c'est en privé, ça veut dire que vous l'enregistrez en privé. Votre vidéo va rester pour vous uniquement. Non répertorié, donc il va être quelque part sur YouTube, mais personne ne va le voir. Pareil, donc c'est comme si c'était en privé en fait. Donc, si vous voulez définir en tant que première, c'est vous, mais vous allez voir les. Je peux le faire parce que vu que c'est une première vidéo sur le clavier, donc je vais le définir en tant que première. Vous verrez que ça va faire. C'est comme un film. Donc, d'habitude, vous n'avez pas besoin de cocher ceci. Donc, aussi, vous pouvez le programmer par exemple. Moi, ce que je veux faire, je vais le programmer ceci. Si vous n'avez pas besoin de programmer, bon, voilà. Mais non, moi, je ne vais pas le programmer, je vais le laisser comme ceci. Ok, vous pouvez choisir la date en fait. Là, vous avez la date si vous voulez que ce soit demain ou après-demain. Je quand même, vous pouvez même changer d'année aussi, je crois. T'en fais voir. Vous voyez? 2023, là on est en 2024. Ok? Ça va? On peut le programmer en 2024, celle-ci. Donc, 2 ans après, si vous souhaitez que cette vidéo soit mise en ligne, voilà, c'est intéressant ça. 2024. 2 ans après. Pourquoi ils n'ont pas mis 2000. Voilà. Ça aurait été mieux, hein? Donc, comme je ne vais pas le programmer, ça y est. Je vais décocher ceci. Et machin. Enregistrer public. Comme je vous ai dit, je ne vais pas programmer. Je laisse ça comme ceci. Et je fais suivant. Ok? Donc vous faites pareil en fait si vous êtes là dans le cas. Vous faites publier. Et là, vous avez la possibilité de partager ça sur les réseaux sociaux et autres. Moi, je ne vais pas partager ça sur les réseaux sociaux. Je vais juste publier ça. Après, je verrai pour. Là, je vais fermer. Hein. Là, ça, c'est les autres jeux que vous pouvez. Hein. Si vous avez un code PentOS ou Skywalk et tout. Donc, du coup, Templates, tout ça, c'est les réseaux sociaux auxquels vous pouvez partager votre vidéo en le mettant en ligne. Donc, moi, je peux dire que je vais mettre ça sur LinkedIn, par exemple. Ok. LinkedIn. Il faut que je m'identifie parce qu'ils m'ont niqué mon navigateur. C'est pas grave. Je vais faire ceci. Là, c'est bon. J'ai ma vidéo en première. Donc, la vidéo que je vous parlais là avec le titre et tout. Avec l'hashtag, tout ce qu'on a fait là. Donc, là, par contre, pour les caractères, pour les suites des lettres, on va voir après. Parce que ça a pris plus de temps que prévu. Parce que j'ai été déstabilisé au cours de la vidéo. Je vous prie de m'excuser. Ok. Donc, je vais mettre fin à ceci. Alors, ce que c'est en première, c'est comme ça en fait. Et cette musique-là. Et cette musique. Vous avez une musique qui défile et tralala, et tralala, tralala. C'est pas mal. Ok, c'est bon. Normalement, la vidéo est en ligne. Si on voit dans ma chaîne, vous verrez que la vidéo en principe est censée être en ligne. Maintenant, il y a ma connexion qui bug là, un peu. Donc, je vous prie d'être patient. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Donc, voilà, ça, c'est la vidéo que je viens de mettre en ligne là. Il y a 7 heures, 7 vues. Bon, là, c'est peut-être que j'avais mis pause pour aller faire autre chose. Mais on poursuit. Donc, on va passer au clavier. OK? Au caractère du clavier. Donc, à ce fichier-là. Donc, on a dit que si vous voulez voir, ça concerne les lettres en majuscule, les différents accents. Aigu, grave, circonflexe, tilde, itrima, et autres. Vous l'avez vu. Donc, maintenant. On va continuer à éditer ce fichier-là. Maintenant, on va voir donc les
On va passer au clavier. Là, on va dire que les autres caractères. Ok, les autres caractères. Voilà, je vais lancer le clavier visuel en tapant ici. Clavier visuel. Hop, qui se lance ici. Donc, on va voir comment obtenir. On enlève le majuscule. On va voir qu'est-ce qu'on peut obtenir avec les différentes combinaisons du clavier. Après, on passera au raccourci clavier. Ok? Mais pour l'instant, on va voir comment obtenir les lettres. Ensuite, on verra les raccourcis clavier. Donc, je mets ça de côté. On va passer au clavier physique. Donc, on passe à côté. Donc, vous vous rappelez la combinaison ALT que je vais prendre là, que je vais mettre en mémoire. Parce que je ne vais pas le retaper à chaque fois. Donc, on va commencer à partir du chiffre 1 pour voir. Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec le chiffre 1? Je vous rappelle, pour la façon qu'on procède, il faut que vous maintenez la touche ALT sur le clavier et puis vous tapez les chiffres ou bien le nombre qui vous donne les caractères différents. Donc, voilà. Si on fait déjà ALT et on tape 0, faut voir ce que ça nous dit. 0, en principe, ça donne rien. Ok, ça donne, ça ne sert à rien. Pour vous guider, je vais dire que ALT plus 0 est égal, mais égal à rien. Vous n'obtenez pas de caractère. C'est pourquoi je le dis, parce que je l'ai expérimenté. Maintenant, si je fais, j'ai 0 maintenant. 0. Ah, ok. Maintenant, si je fais ALT. ALT plus 1. Ok, je maintiens la touche ALT et j'appuie sur 1. Ça nous donne cet emoji là. Ok. ALT plus 1 égale ceci. Ok. Maintenant, on passe à 2. ALT 2. On commence avec le. Les chiffres ensuite jusqu'à 9, donc le décimal, on va voir qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ALT plus les chiffres du clavier en décimal. Donc 2, ça nous donne cet emoji là. Ok? Égal ceci. Et on descend, on fait ALT plus 3. Ça donne cet emoji là. Ok? Hop, est égal ceci. ALT plus 4. Hop, ça donne cet emoji là. Donc, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Symbole de jeu de cartes. Ok, donc normalement c'est pique. Pique, ensuite on passe à 5. Flèche, trèfle, ok. Ça, c'est les emojis. Ça, on est à 5 sur le pavé numérique. Ok, lorsque vous faites ALT plus 5, ça vous donne cet emoji là. Si on fait 6 maintenant, je passe à la suite. Après, on va commencer par les. Il y a tellement de combinaisons. Je ne vais pas tous les tester. C'est juste pour vous montrer si vous souhaitez. Et voilà, ça vous donne ce symbole là. Ok, je rappelle, ça ce sont des symboles de jeu de cartes. 7, ça vous donne ce point là. 7, lorsque vous faites ALT plus 7, ça vous donne ceci. On passe, on fait ça, on passe à 8, ça vous donne ce point là encore. Mais cette fois-ci, vous voyez, le point il est en noir, c'est tout. Il est noir, il n'est pas tout simple comme l'autre.
Maintenant, on va finir avec les chiffres, donc décimales et 9. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le O, la lettre O. Ok, à partir du 9, on obtient la lettre O. Maintenant, on va passer au nombre, c'est-à-dire qu'à partir du 10, si on fait LT plus 10, on compose 10 maintenant. Voilà. De ce fait, ça vous donne ce caractère-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais on obtient. Ok, j'ai oublié l'égal sur les autres aussi. Et je mets l'égal partout où il manque l'égal. Comme ceci. Maintenant, on passe à 11. On est sur deux caractères, hein? Sur deux chiffres. Hop. On obtient le O aussi, ça va. 11, on obtient le O aussi en faisant ALT. Qui est égal, c'est ça, 11, ça nous donne ceci. Ok, ce caractère là je pense que vous connaissez, ça vous donne ceci, 11. Il faut voir une chose, voilà, c'est 10 qui donnait ça. Donc c'est 11 qui donne ce caractère là. Donc vous connaissez, hein, ça, vous trouvez ça, ce symbole là, en général sur le préservatif. Et on fait ALT plus 12 maintenant. Ça nous donne bon, le symbole que vous trouvez sur le préservatif. C'est celui du bas. On passe à la suite. Et puis on fait ALT plus 13. Ça nous donne le symbole de la musique. Ça, c'est, on va dire que c'est les emojis. Là, on n'est pas encore aux lettres. Hein. On finit avec les 10 chiffres. Mais quand même, je pense pas que je fais toutes les expériences. Vous voyez comment obtenir les différents symboles sur le clavier en passant par le pavé numérique avec la combinaison ALT. Ok. Passe à la suite. Normalement 14 qui est censé nous donner une note pour la musique. C'est symbole de note de musique. Ok. 14. Voilà. On va passer à 15. ALT encore. Égal. Qui nous donne ceci. Donc moi je dirais. Ressemble à un pignon, mais c'est bon. Je sais pas comment vous appelez ça. 15. On descend. Je sais pas quand est-ce qu'il fait. Parce qu'il faut que je passe aux lettres maintenant. Les lettres, c'est à partir des trois chiffres qu'on obtient la lettre. Ok. On va voir ça tout à l'heure. On va faire égal. 15. C'est ça. Et 16. Voilà, vous avez cette lecture. LT égale 17, on obtient la barre lecture inverse. Et ALT, mais 18 maintenant, qui vous donne ceci, ce symbole là. Voici comment obtenir les différents symboles. Si vous faites éditer des choses, vous pouvez vous en sortir. 19. Et des points d'exclamation. Ok. Ok, les points d'exclamation, vous pouvez les taper directement sur le clavier. Ça, vous pouvez l'avoir comme ça. Mais sauf que vous voyez, c'est extrêmement collé là. Comme ceci. On met l'égal. Et on va passer à 20. Vous avez ce caractère là. Parce que vous faites ALT plus 20 sur le pavé numérique. Donc 21. LT 21, ce symbole là vous l'avez en faisant LT plus 21, LT encore une fois plus 22.
vous avez ce signe là, ok, ce symbole là, LT plus 22, ALT encore 23, ça nous donne la même caractère que l'autre tout à l'heure, mais sauf que la différence entre ce caractère là, vous voyez que là il y a le trait en dessous, donc 24 à présent, ALT 24 et la flèche vers le haut, ok. À présent on va passer à autre chose, ALT 25. Je crois qu'on va s'arrêter à 30 pour passer aux lettres. Vous voyez, là vous avez déjà compris cette technique là, vous avez déjà compris, vous avez les flèches vers le bas, ok. ALT 26, vous avez le flèche vers la droite, ok. Ça vous sert lorsque vous voulez indiquer si jamais vous n'avez pas de logiciel pour obtenir ce type de de caractère. Vous pouvez le faire vous-même en faisant ce que j'ai fait là. Et par la suite on fait CTRL V encore, on passe en dessous et 27, le flèche vers la gauche. Ensuite CTRL V. Et CTRL V c'est pour copier chaque fois ALT, mais pour obtenir c'est je mets ALT, je fais 28. Le voilà, ça c'est pas le L, mais ça c'est voilà, vous comprenez. Ainsi de suite, vous allez obtenir vos caractères différents. Donc on est à 28, donc on a dit qu'on allait s'arrêter à 30. CTRL V puis ALT, on met l'égal 29. Vous avez celle-là, ok, deux flèches dans les des directions. C'est comme ça que vous obtenez les différents caractères. Maintenant un jour je viendrai pour augmenter, pour aller jusqu'à 100, voir ce qu'on peut obtenir. Maintenant si vous pouvez expérimenter, allez-y, de toute façon c'est des savoirs. Moi je veux pas tout faire, donc je vais faire 30. ALT 30, ça nous donne ceci, ok. On va dire la pyramide, le triangle, ok. On s'arrête ici. Maintenant on va passer à trois chiffres, un nombre à trois chiffres. Donc si on fait ALT là on va obtenir les lettres, si je me trompe pas. Donc on va commencer par 3 0, voir. Ok, ALT plus 3, 0, ça donne 0. Donc, on va passer à 3, 1. Ça donne le O. Ok, ALT 111, ça donne le O. Là, je crois que je me suis gouré. Donc, je pense que vous aurez compris maintenant, c'est plus 111. Maintenant, je vais commencer à mettre les chiffres, parce qu'on est passé à 3 chiffres. Donc, on va les mettre. On va continuer en faisant ceci plus 222 qui va être égal à combien, je sais pas, LD 3D. On obtient aussi le I majuscule avec, vous voyez, si on regarde le I dans les chiffres majuscules comme on l'avait obtenu, le I est accent grave 0204. Vous l'obtenez, mais vous l'obtenez aussi en passant par ALT plus 222. Vous avez le I majuscule avec l'accent grave. Donc, de même. Puis là, on va faire ALT 33, le principe qui est égal à ça. Le M majuscule. Là par contre, vous avez obtenu le M majuscule sans accent. Ok. Principe, je ne sais pas quel mot. Mais ça, c'était pour les lettres majuscules avec accent. Mais ça, c'est pour obtenir les lettres sans accent. Là, vous avez donné sans accent. Donc, on va faire ALT 3-4. Ceci. Qui est égal à ceci.
à ce caractère-là. Ok? Qui est, de toutes les façons, un expérimentant, on voit. Donc, plus 5, 5, qui normalement qui va nous donner ceci. Le plus que vous pouvez obtenir sur le clavier directement, hein, sur le pavé à côté. Et on passe à la suite. On fait égal. On va faire les 3, 6. Donc en principe, tu vas être égal. Le X. Ok, 3, 6 vous donne le X. On passe à la ligne. On fait CTRL V. On va mettre les 3, 7 maintenant. Vous avez compris? Qui est égal à ceci. Le haut, encore. Vous pouvez obtenir le haut en faisant 3, 3, 1 et 3, 7 aussi. Ok? Ça, je t'appelle ça le haut. Ensuite, CTRL V. On va passer à 3, 8. 8, 8. Qui est égal. On le fait. Au X encore. Vous voyez la différente façon pour vous tenir, obtenir le X. Ça, vous prenez celle qui vous semble le plus simple pour vous. Ok? Donc, ceci, on passe à la ligne. Boum. Et on va mettre le 3, 9. 9, 9, 9. Qui doit donner ça à présent. 9, 9, 9. Ce caractère-là. Ce caractère-là, on l'a obtenu. Mais avec accent, je vais vous montrer où ce qu'on avait obtenu. C'est ceci. Mais avec le 0, 222. Vous voyez? Là, c'est des caractères avec accent. Mais celui-là, je crois qu'il n'y a pas d'accent dessus. Voilà, on l'a obtenu en ajoutant le 0. 4 chiffres. Là, on est sur les 3 chiffres. Hein. Et je passe à la ligne. Je fais suivant. Là, vous pouvez, si vous souhaitez, vous regardez. Hein. Maintenant, si je fais 121, on va voir ce que ça va donner, qui est égal à l'Y. Ok, Y à 121. Okay. Y minuscule, là on commence à entrer dans les minuscules, là on compose les différentes. Là on est fini avec les. On a commencé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite on a commencé par le est-ce qu'on avait fait des 2, 1? Je ne me rappelle pas. Parce que normalement oui, parce que j'ai pas mis exactement ce qu'il faut faire. Mais je pense que vous l'avez entendu. Je fais exprès de laisser comme ça vous. Voilà. Vous allez expérimenter, mais à partir des 3 chiffres, j'ai commencé à mettre les numéros. Ok, donc si on fait 122, un exemple, hein, je pense que vous aurez compris. Je vais pas rester trop longtemps là-dessus. C'était juste pour vous montrer comment obtenir les différents caractères sur le clavier et est égal. À la lettre Z, mais en minuscule. On peut dire ainsi de suite 1021. On va voir. Hein. ALT plus 1021 qui doit donner ceci. C'est ce caractère-là. Donc là, ça va donner des lettres. Et si on part à 123 par exemple, on a été trop haut, on va rester dans les 100. Ok, dans les 100, on fait ceci et égal. Caractère là que des fois vous avez besoin que les matheux et des caractères comme ça. 124 maintenant plus 124, on
principe qui est égal à ceci. Ceci, c'est parce que c'est le trait vertical, le trait horizontal. Donc, passe par la suite, plus 125. Normalement, qui doit donner ceci. La fermeture de ce caractère. On passe à la suite, 126, qui est égal à ce caractère, le tilt. Ok, comment obtenir le tilt sans le mettre sur des lettres. Ok, vous m'aurez compris. Et on passe à la suite. Hop. Ensuite, 127. Normalement, qui est censé donner ça sur le clavier. Localhost. Adresse localhost. Donc, ce point-là. Ce point-là, vous l'avez obtenu aussi en faisant quoi, le 7, je crois. Le 7. Mais en faisant 127 aussi, localhost, vous l'avez. Et si on tape 177 ALT plus 170, vous pouvez switcher entre les là. Je pense que je reviendrai pour vous expérimenter sur ça plus clairement. Là, je crois que je vais mettre fin au tutoriel. Voir combien de temps que ça fait. 23 minutes plus, voilà, on va faire 1 heure et quelques. 128 maintenant. Vraiment, qui est égal à LT plus 128, qui est égal. Oui, il va me le faire. À LT 128. Aussi, majuscule, CCD majuscule. Ok. Je vais vous expliquer l'autre fois comment on a pu obtenir ce. CCD majuscule. Oh là là, lui, il commence à bugger, c'est pas grave. Voilà. Le CCD sur les différentes, on avait obtenu avec 0199. Aussi, on avait obtenu comme ça. Mais vous pouvez l'obtenir en faisant. Voilà. Bon, c'est pas vraiment le. Ouais, c'est le CCD. Donc 130, on arrête à 130 hein, pour cette expérimentation. 130, 130, 130, ouais. 100, ah le clavier, 100. Le pavé numérique était éteint, qui est égal à ceci. Voilà, au E minuscule avec l'accent, laisse-moi vous dire, c'est aigu ou haute. Accent aigu. Ok, vous l'avez directement sur le clavier, ceci. Là, on s'est arrêté à 130. Bon, ok. On aurait pu dire jusqu'à 140. Si on fait ceci, on va s'arrêter à 140 pour cette expérimentation en traçant des trois chiffres plus 131 qui est égal en principe ceci. Ah, ils vont le mettre cette chose. Excusez-moi, là, le clavier commence à déconner. Ou c'est moi qui commence à déconner. Voilà, et on passe à la suite. Plus 131 qui est égal à A avec l'accent circonflexe. Ok, vous voyez que ce sont en minuscule. Vous tenir tous vos lettres en passant par là, majuscule, minuscule. Voilà, il faut juste connaître
les bonnes combinaisons. Ok, on fait CTRL V plus 132. Normalement, qui est égal à tréma. On passe à côté. On fait 133. On fait CTRL V plus 133 qui est égal à ceci. Ou à accent grave. Donc, ce qui, normalement, qui donne le temps. Conjuguer un verbe, en fait, lorsque pour dire si je vais aller à en Haïti, à Petit Guave ou à Paris ou à New York, c'est sur A là que vous mettez. Si vous mettez le A sans accent, ça vous fait avec New York, avec Petit Guave. C'est pas ça, c'est pas la bonne écriture. Donc on passe à 134. Les 134, en principe, qui nous donne 134. Le A avec le degré là-dessus. Bon, vous avez vu. On passe à la suite. 135. Et on fait qui est égal à ceci. Le C, c'est dit, mais cette fois-ci, je crois que c'est du minuscule. Vous voyez, il y a plusieurs caractères pour obtenir. Voilà, c'est du CCD en minuscule. Ok. On passe à 136. CTRL V. 136. Principe qui est égal à 136. Le E accent circonflexe. Et on passe à la suite plus 137. Qui est égal à 137. Le I tréma. Et suite, on passe à la suite. 138. 138. Qui est égal à 38. Donc le U accent grave. Le U accent grave. Fait voir. Voilà. On avait obtenu le U minuscule en accent grave. On a obtenu en minuscule là aussi. Ça, il y aura un troisième tutoriel. Venir expérimenter ce fichier là. Donc on passe à la suite. 139, CTRL V plus 139, possible qui est égal à itrima minuscule cette fois-ci. Ok, donc comme je disais l'autre fois, l'écriture Haïti c'est comme ça. Et on passe à 140, et 140 qui est égal à 140. Le I avec l'accent circonflexe en minuscule. Parce qu'on est en minuscule. Ensuite, on passe à on peut dire à 141. CTRL V plus 141. En principe, qui est égal à le I avec l'accent grave. On passe à la suite, comme ça vous obtenez vos chiffres. 142, 142, 142 qui est égal à ceci. Je vous rappelle la technique, vous maintenez cette barre là. Cette barre là, vous pouvez l'obtenir de plusieurs façons. Avec le 124, vous l'obtenez avec 142 aussi. Les barres horizontales. Donc on passe à 143. 143 qui est égal à ceci. Le A majuscule avec le degré. Ok, on peut l'obtenir aussi. Le A majuscule avec le degré. Est-ce que je l'avais obtenu auparavant? Vous voyez qu'il y a des caractères qui donnent la même chose. Avec 0,197 aussi. Vous pouvez obtenir ce A là majuscule avec ceci. Tout ça, vous faites connaissance avec votre clavier. Plus 144 maintenant. Normalement, ça doit être le U accent grave majuscule. Hein. Bon, c'est même pas la peine de le faire parce qu'on l'a déjà fait. Ok. Sinon, c'est pas la peine hein, puisque
L'expliquer. 144 qui va donner le U accent aigu. Excuse-moi, c'est pas U accent grave, c'est U accent aigu. 144. 144 qui est égal à. Ok, accent aigu, 145. Mais l'égal, c'est A là, collé avec le E. Ok, mais c'est pas ça minuscule. Plus 146, qui est égal à, c'est A là, mais en majuscule, cette fois-ci. Le même, c'est en majuscule. Et on le. Je crois qu'on l'avait obtenu déjà, hein, ce caractère-là. 147. Si je pouvais gagner 147K par année, ça aurait été bien. Est égal. Ou accent circonflexe. Je veux voir si on l'avait pas obtenu là déjà. Si, avec quel caractère c'est 0,212. On l'avait obtenu. Mais cette fois-ci, on l'a obtenu avec le 147. On passe à la suite. 148 qui est égal à Outrema. Et 149 plus 149 qui est égal à O accent grave. Maintenant, il faut voir si on l'a pas obtenu. Normalement, oui. Est-ce que c'est en minuscule ou en. Bon, voilà, celui-là. 0, 210. 0, 210. Mais cette fois-ci, c'est en minuscule. Ok. Et 150. On va voir ce que ça veut dire. 150, on fait égal. 150. Le U minuscule avec l'accent circonflexe. Et si je poursuis, ainsi de suite, vous, je vous laisse expérimenter maintenant. Si on passe à 4 chiffres maintenant, on va voir ce que ça fait, hein, 4 chiffres. Plus 1, 2, 3, 4. 4, 1. 4, 1. 4, 1. Qui est égal à 1, 2, 3, 4. Le W, majuscule, je pense. Ouais. Et 4-2, ok, 2222, hop, plus, qui est égal, ce caractère-là, c'est pas génial, mais ça va, ceci, 4-3, qui est égal à, ok, on obtient ce caractère-là en faisant 3333. Ok, ce caractère-là, on l'avait obtenu aussi avec le. Je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez comment vous pouvez utiliser votre clavier pour faire sortir pas mal de choses. Si on voit dans 4-4, 4444. Il est égal à l'anti-slash. Ok. Hop, on va essayer avec 5-5 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Et non. On a 4 chiffres, on va essayer 4 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le cœur, l'emoji. On a dit que c'était 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est la même barre. Par contre, si on rajoute un 5 de plus, ça vous fait les cœurs. Maintenant, c'est des choses à retenir. Mais si jamais vous souhaitez imaginer ceci. 1, 2, 3, 4. On reste ici. Et on met le.
4,6 maintenant, qui est égal à 1, 2, 3, 4. À ce où là, on a déjà obtenu, déjà. On sait que c'est comme ça qu'on l'obtient. Si on fait 4, 7 maintenant, 1, 2, 3, 4, qui est égal à 1, 2, 3, 4, du A tout simple, hein, du A minuscule. Et je suis sûr qu'il y a d'autres façons d'obtenir le A minuscule. Simplement, il suffit que votre clavier soit activé, vous tapez le A minuscule. C'est pas la peine d'aller vous rappeler de 4777 pour, et de 7777 pour avoir le A minuscule. Donc il y a des choses qui vous servent à rien là-dedans. Hein. Mais au moins vous le saurez. Maintenant, si on commence à partir de 48, 1, 2, 3, 4 qui est égal. 1, 2, 3, 4. Ceci là. Ok. Des caractères pour tenir. Maintenant, on passe à 9. Normalement, qui est égal à 1, 2, 3, 4. Ce caractère là qu'on a déjà obtenu en faisant. Que je peux voir qu'on avait fait pour obtenir ce caractère là. Ouais, et 8. Faut être sûr, hein, parce que 10. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est le 15. Donc, si je mets un ici pour que ce soit plus simple, hein, 2 ici, 3 ici. 4 ici, 5 ici, là, 6 ici, et 7 là, 8 là, 9 là, et 10 par là, et 11 par là, et 12 par là, 13 par là, 14 par là, 15 par là, 16 par là, 17 par là, 18 par là, 19 par là, 20 par là, et au final 21 par là, donc au final 22 par là, 23, 24, et 25 et aïe, bon, là, je me suis gouré, vous m'avez rien dit, c'est à dire que c'est ça, on passe l'égal de l'autre côté, tac, c'est simplement, c'est pas gouré, c'est juste l'égal qu'on doit passer pour que ce soit bien clair lorsque vous allez récupérer ce document que je vais mettre à disposition sur les tutoriels par là. Et ça va par là. Et ça va par là. Ça va par là. Et 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 ça va par ci. Ici. Comme ça, vous serez tranquille. Et par là. Et on va se mettre à 26 maintenant. Et on va se mettre à 27 à présent. 27.
28, 28. De toute façon, vous verrez. Et le 30, c'était ça. À partir de là, c'est bon. On peut repartir, si on veut, à dire que on va s'arrêter là pour le moment. Les autres caractères, je viendrai vous les faire. Donc 1000 qui est égal en principe. À ce caractère-là qu'on a déjà obtenu, puis si on fait 2000 rois, on switch, on va switcher un peu plus vite là. On va voir ce qu'on obtient en mettant 2000. Moi, je peux pas vous dire que je les ai tous des têtes, mais vous avez déjà l'astuce, hein. Le haut. Avec, c'est pas l'utile ça, mais c'est une caractère. Si on fait 3000, qui est égal à ceci, on a déjà obtenu ça. On l'obtient en faisant 1000 aussi. Hein. Voilà, on l'obtient en faisant 8888. Ce caractère-là, on passe à 4000, ainsi de suite. On monte vite fait 2 échelons et vous obtenez à chaque fois des caractères différents. Ça, c'est l'arobase. Ça, c'est intéressant. Mais l'arobase, vous avez directement sur le clavier, hein. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Vous appuyez sur Alt plus ALTGR et vous faites la base. Vous appuyez sur le logo, la base sur le clavier. C'est pas la peine de taper 4000. Maintenant, si on passe à 5000, voir quel type de caractère. Il y a tellement de trucs. C'est juste pour vous montrer la puissance du clavier. On va dire. Et on va dire c'est égal là. Vous avez le E avec accent circonflexe, mais tout ça aussi, hein. Tout ça, c'est des choses. Voilà, c'est l'expérimentation. Donc, si je fais 6000, égal, vous avez le P minuscule. Ainsi suite, vous pouvez obtenir toutes les lettres de l'alphabet. Donc il faut que je les trie pour que je vous montre exactement si vous voulez écrire un mot comme ça, vous allez voir. Donc on va passer à 7000. Égal. Le X majuscule. On passe à 8000. La base encore, on obtient 4000. Ça va aussi. Et 9000. Plus égal le parenthèse. Et à 10 000, là, on passe au-delà. Égal ceci, voilà, vous voyez ça, on l'a déjà obtenu en faisant ceci. Donc si on passe à 11 000, 11 000, il faut que je vous trouve une caractère correcte pour que je puisse clôturer ce tutoriel.
degrés, 12 000 12 000. On est passé à plus de 5 chiffres, hein. Mais on ne voit pas. Voilà, le O majuscule avec accent aigu. Et 13 000, ça on l'avait obtenu en faisant d'autres choses. Ceci, 14 000. Ça, vous avez déjà des choses qui ne parlent plus maintenant, mais c'est plutôt des choses. Donc moi, je veux revenir à 7 000, le X. Et le X, je vais juste mettre X pour inconnu, donc c'est ALT, ALT plus 7 000, en principe qui vous donne du X. Et je mets ALT pour l'instant. Enfin, ok, pour ce tutoriel, je vous invite à vous abonner. Là, ce fichier, vous inquiétez pas, vous l'aurez avec, une fois fini d'éditer, vous l'aurez sur les tutoriels, en fait, si vous souhaitez, hein. Donc voilà. Hop. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis à bientôt pour la suite, puisqu'il y a la suite. Parce que là vous avez pas, il y a plein de trucs, par exemple le G, le F, le H, le J, le K, tout ça là. Ouais, le V, B, tout ça là. On les a, il faut qu'on trouve ce qu'ils sont. Et bien voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc à bientôt. Là, je pense que c'est bon.